Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Je te retrouve pour la dernière vidéo de l'année. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, mais je voulais te faire un récap sur cette année qui a été riche en émotions et riche en aventures. Donc je vais commencer sans plus attendre et ne t'inquiète pas, l'année prochaine les vidéos technologie vont reprendre. Mais là j'avais juste envie de te faire un petit coffee talk pour terminer cette année. J'espère que ça te plaira et je te laisse avec la suite. Donc pour commencer cette année, en fait en janvier donc j'ai eu 23 ans, donc j'ai pas vu mes 20 ans à mes 23 ans passer, c'est passé tellement vite, j'ai pas eu le temps de les voir passer. Je suis entrée en septembre dernier dans une école pour apprendre la communication digitale et dans le but de devenir chef de projet digital à la fin. Donc c'est un diplôme sur 3 ans mais moi je suis rentrée en deuxième année parce que c'est une école privée et que j'ai déjà des compétences. Donc je suis rentrée en bachelor chef de projet digital en deuxième année et c'est une école qui se fait en alternance, en tout cas la deuxième et la troisième année se font en alternance. Donc c'est un équivalent de licence mais c'est en version professionnelle. Donc il a fallu que je trouve des entreprises. Donc en fait quand je suis rentrée à l'école, j'ai eu droit à 6 mois pour trouver une entreprise. J'ai pas trouvé tout de suite mais en janvier du coup j'ai eu des entretiens. Donc j'ai eu un entretien dans une première entreprise qui vendait de l'électroménager. Je n'ai pas été prise parce que la personne ne cherchait pas quelqu'un pour de l'alternance en fait. De ce que j'ai pu comprendre, c'est quelqu'un qui cherchait juste une personne pour lui créer des contenus on va dire un peu gratuitement ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce qu'elle m'a bien fait comprendre qu'en fait elle avait peut-être quelqu'un dans sa famille qui pouvait lui faire le taf. Donc à partir de là tu comprends tout de suite le truc. Après j'ai eu un entretien au niveau d'une autre entreprise. Donc cette fois-ci c'était une agence de marketing digital. Un entretien je pensais qu'il s'était bien passé mais j'ai pas été prise. Alors là je vais te faire un topo rapide, j'ai pas été prise parce que j'ai été victime de discrimination. Alors je ne pourrais pas le prouver. Et au début quand j'ai compris que c'était de la discrimination et que j'en ai parlé à ma mère et à ma soeur parce que voilà c'est de la discrimination féminine j'entends. Quand je leur en ai parlé elles m'ont pas cru et elles m'ont dit mais non tu te fais des films. Sauf qu'en fait je leur ai montré des photos plus tard et là effectivement elles m'ont cru. Je vous explique. En gros pour faire simple c'est une autre fille qui a été engagée à ma place et quand j'ai demandé des conseils pour améliorer mes futurs entretiens, la personne en fait n'a pas été capable de me donner des conseils mais elle m'a juste expliqué qu'elle ne m'avait pas engagée parce que j'avais pas montré assez d'intérêt à rentrer dans son entreprise. En fait tout simplement je n'étais pas assez aguicheuse et je n'étais pas assez jolie à son goût parce que je peux t'assurer de quelque chose, c'est que quand j'ai vu la photo de la personne qui l'a engagée à ma place, j'ai compris qu'en fait tout ce qu'il cherchait c'était quelqu'un pour se rincer les yeux. Alors oui effectivement il y a le côté je forme quelqu'un, j'engage un stagiaire etc etc parce que je vais quand même engager quelqu'un, mais s'il y a une nana qui postule forcément je vais prendre la nana qui me plaît le plus au regard. Et comme moi je suis un peu en surpoids que j'ai une coupe à la garçonne et que j'ai un look un peu particulier malgré que ce soit mon look et que c'est pas un look non plus atypique et que c'est pas un look chelou mais c'est mon look tout simplement. Mais le mec ça lui a pas plu donc il a préféré engager quelqu'un d'autre à ma place pour pouvoir se rincer les yeux au quotidien dans son entreprise. Donc voilà la discrimination à l'état pur. Sauf que malheureusement je ne peux pas le prouver parce que son mail est tellement bien tourné que ce n'est pas probable. Et de toute façon j'en ai rien à foutre parce que je n'aurais rien fait de ça. Après tout c'est juste un entretien, j'ai pas été retenue, ça veut dire que l'entreprise n'était pas faite pour moi. Et que de toute façon si j'avais été prise en alternance là-dedans, je n'aurais pas tenu très longtemps, donc autant être partie. Par contre après j'ai quand même réussi à trouver une alternance donc dans une autre entreprise cette fois-ci, donc dans une grosse entreprise, c'est un grand groupe, je tairai le nom parce que ça s'est mal passé. On m'a engagé pour faire du graphisme, donc graphiste exécutant, mais malheureusement ça s'est mal passé parce que j'ai eu une petite déconvenue, c'est-à-dire qu'en fait on m'a engagé pour remplacer un professionnel et comme malheureusement je n'avais pas ce qu'il fallait pour être un vrai professionnel, qu'il me manquait des notions en termes de graphisme et qu'on ne pouvait pas me former, eh bien on m'a tout simplement demandé de partir après la période d'essai. Donc je ne suis pas restée, j'ai pas cherché plus loin midi à 14h. Je suis partie sans demander mon reste et puis voilà. Mais la leçon que j'en ai retenue et ce que j'ai appris c'est que ce genre d'entreprise c'est pas fait pour moi. Et que de toute façon il faut de tout pour faire un monde, donc c'est pas grave, hein, ça fait une expérience comme une autre. Et au moins j'ai vu comment ça pouvait se passer dans ce genre d'entreprise. Et à l'avenir je saurai à quoi m'en tenir, donc je sais que c'est une entreprise dans laquelle je ne postulerai pas, même dans la pire des situations. Je ne postulerai pas dans cette entreprise, never again, parce que franchement ça ne vaut pas le coup. Par contre après
Il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Il y a eu le confinement. Et je pense que le confinement, il s'est pas super bien passé, mais ça a été quand même la meilleure période de cette année pour moi. Parce que ça a été une période révélatrice, une période charnière de cette année. Donc le confinement et l'après-confinement ont été vraiment des révélations pour moi. Pendant le confinement, j'ai découvert que les amis que j'avais, c'était pas des vrais amis, mais que c'était des gens qui s'étaient servis de moi pour des compétences que j'avais et pour des potentiels que j'avais. En fait, tout simplement, tout s'est fait de façon très... En gros, j'ai pas vu les choses venir. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière que j'ai commencé l'ésotérisme, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Ma perception des choses a un petit peu évolué. Et en fait, il y a des sens que je n'avais pas qui se sont un petit peu développés. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec la sociabilisation. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai toujours eu du mal avec ça. Et là, j'avais des amis, je sortais, je parlais beaucoup sur les réseaux sociaux avec mes amis et j'étais contente. Et il y a des choses que je n'ai pas vues en fait. Et pendant le confinement, on s'est un peu éloigné et je me suis rendu compte que non seulement c'était servi de moi, mais qu'en plus on avait essayé de me changer, de changer ma personnalité et de me transformer. Alors que je suis moi et comme on dit chasse le naturel, il revient au galop, donc de toute façon me transformer aurait été impossible. Donc finalement, pendant ce confinement, je suis revenue 100% moi. J'ai lâché ces personnes qui de toute façon, il n'y avait aucun intérêt à rester avec elles. J'ai fait ce qui me semblait le plus juste et le plus bon pour moi. J'ai quitté ces amitiés-là, j'ai supprimé tout ce qu'on avait en commun sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube parce que ces personnes étaient bien sûr mises en avant sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai tout supprimé. J'ai tout enlevé, je me suis désabonnée de ces personnes, je les ai supprimées de ma liste d'amis et puis j'ai continué ma route en solitaire. Enfin, pas vraiment solitaire parce que j'ai quand même des amis, mais des amis qui me correspondent, des amis avec qui j'ai des points en commun, des amis avec qui on s'entend super bien, avec qui c'est bon, des liens, on se marre bien et avec qui ça se passe super bien, avec qui je suis très contente, je les aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir les voir un jour parce que malheureusement ils ne sont pas à La Réunion, ils vivent en métropole, mais en tout cas. Je peux vous assurer que dès que je peux me payer un billet d'avion pour aller en métropole, je passerai leur faire un coucou. Parce que je crois que c'est une des meilleures amitiés que j'ai construites depuis longtemps. Et franchement, c'est super cool. Quand on fait des vocaux ensemble, on refait le monde. Et juste, c'est trop bien. Donc, je suis super contente. Donc, après le confinement, j'ai fait une hypnothérapie. En fait, il s'est passé plein de choses quand j'étais au collège. J'ai mis des mots là-dessus, mais en fait, mon inconscient, lui, il n'a pas fait son travail de deuil et il n'a pas fait le travail qu'il aurait dû faire pour passer à autre chose. Donc, du coup, je suis allée faire de l'hypnothérapie pour faire un travail sur mon inconscient. Ça s'est très très bien passé et c'est ce qui m'a permis de me redécouvrir. Donc, en fait, j'ai découvert quelque chose sur moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, il me manquait quelque chose et j'ai comblé le trou qu'il y avait. Il y avait un trou et je l'ai comblé, donc je suis très contente et très ravie. L'hypnothérapie s'est tellement bien passée que je suis restée en contact avec l'hypnothérapeute, donc de temps en temps je lui envoie des messages et je lui envoie des nouvelles parce que forcément il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et j'en suis très très contente parce qu'aujourd'hui je vois les choses complètement différemment, j'ai ouvert les yeux sur moi, sur ma personnalité et maintenant que je sais qui je suis, je peux être moi-même à 100% et franchement c'est la meilleure des choses. S'il y a un truc à vous dire, c'est soyez vous-même à 100% et vous verrez que ça va nettement mieux, enfin que votre vie elle n'en sera que meilleure. Je continue à penser positivement et à transformer tout ce que je fais en positif et puis je vais de l'avant, donc voilà. Pendant cette hypnothérapie aussi j'ai commencé une alternance, donc j'ai commencé une alternance en juin et je l'ai finie en septembre. Elle a duré 4 mois parce qu'en fait c'était encore une fois une entreprise qui m'a engagée pour faire le boulot d'un professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est assez courant, c'est que les alternants sont vus comme des employés à bas coût. C'est-à-dire qu'en gros, dans les entreprises, des fois, on engage des alternants parce que ça revient beaucoup moins cher que d'engager un professionnel. Donc surtout, si jamais tu cherches une alternance, fais attention à ça, demande bien aux entreprises, est-ce que tu es là pour remplacer un professionnel ou est-ce que tu auras bien quelqu'un qui sera là pour t'aider à évoluer et pour t'apprendre le métier que tu es venu apprendre. Donc cette alternance n'a pas duré, mais c'est pas grave parce que j'en ai trouvé une autre. Donc j'ai déménagé d'ailleurs pour me rapprocher de cette alternance parce que en fait elle était beaucoup trop loin de chez moi et concrètement niveau route ça aurait pas été gérable, donc maintenant je suis à côté de mon alternance. Alors cette alternance honnêtement c'était inattendu, mais vraiment inattendu. J'ai postulé par hasard dans cette agence de communication parce qu'en fait elle était sur Saint-Paul et c'est vrai qu'au début j'ai cherché sur Saint-Denis parce que c'est là où j'habite.
Sauf que malheureusement, sur Saint-Denis, c'est saturé, donc forcément compliqué de trouver. Et puis alors sur Saint-Denis, il y a des agences qui franchement sont pas super cool. Alors il y a des agences qui prennent la peine de te répondre, mais il y a des agences qui ne te répondent pas. Moi j'ai contacté une agence plusieurs fois qui n'a jamais daigné me répondre. Ou alors elle m'a répondu une fois, on va examiner votre candidature et après je n'ai jamais une réponse. J'ai trouvé une agence qui vivait à deux pas de chez, enfin qui était à deux pas de chez moi. Je leur ai envoyé deux mails, je les ai contactés sur les réseaux sociaux, je n'ai même pas eu un vu sur Instagram, donc c'est pour dire que franchement c'est pas super top. Mais c'est pas grave parce que du coup, quand j'ai trouvé cette agence sur Saint-Paul, je me suis dit bon, ça va, je peux faire la route, c'est pas si loin. Il s'est avéré qu'en fait c'était pas à Saint-Paul mais c'était à La Saline, donc c'était beaucoup plus loin. Mais c'est pas grave parce que j'ai été prise. Alors franchement, je ne m'y attendais absolument pas jusqu'au bout. J'ai douté, je me suis dit jusqu'au bout, s'il faut, je serai pas prise. Je sais pourquoi, mais j'ai eu cette crainte de ne pas être prise. Et en fait, j'ai été prise et franchement, eh ben, c'est la meilleure alternance depuis que j'ai commencé l'alternance. C'est la meilleure que j'ai eue. En fait, cette entreprise s'appelle JBI Consulting. Si je t'en parle, c'est parce que, en fait, comment dire? Je travaille pour eux, mais ils m'ont présenté sur leurs réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je t'en parle. Et si j'avais pas été présentée sur leur réseau, je l'aurais pas fait. Mais du coup, j'ai été présentée sur leurs réseaux sociaux la première semaine où je suis arrivée dans l'entreprise. Et c'est une super entreprise. C'est pas une grosse agence, on n'est pas beaucoup, on est 5 à travailler dans cette agence-là. Et franchement, c'est que du fun, c'est que du lol. On se marre bien, c'est une super agence. Elle n'est pas très grosse, mais ça me suffit largement. Je m'entends super bien avec mes collègues, ça se passe super bien, on a une bonne dynamique de groupe. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça parce que c'est vrai que moi j'ai ma personnalité, je suis comme je suis. Et là, en fait, le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est que je peux être 100% moi-même. C'est-à-dire que le jour de l'entretien, je suis arrivée. Déjà, rien que quand je suis arrivée dans les locaux, j'ai eu un bon feeling. Je me suis sentie très à l'aise. Et en fait, j'ai pour la première fois pu être 100% moi-même. J'ai pu partager 100% de moi avec mon entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises où c'est le cas parce que dans la plupart des entreprises, on est obligé de s'adapter, de se conformer, on ne peut pas être 100% soi-même et je trouve ça dommage. Mais aujourd'hui, je peux être moi, je travaille pour ce que je veux faire. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le marketing digital, les réseaux sociaux, les sites internet, la création de sites internet, le SEO, tout ça. Ce que je partage avec vous sur mes réseaux sociaux, mon blog et ma chaîne YouTube. Et en fait, je suis là pour ça. Donc ce qui est cool, c'est que là, je découvre plein de choses. J'apprends plein de choses aussi, j'apprends des trucs que je connais pas forcément. Et puis j'apporte aussi des choses parce que forcément on se complète en fait, on a plein de trucs complémentaires. Et franchement, c'est, je crois, la meilleure alternance que j'ai pu avoir jusque-là. Donc je suis super contente de cette alternance, elle est géniale. Je kiffe ma vie. Je me lève le matin, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller au boulot, de me dépêcher d'aller au boulot. Je ne vois pas le temps passer, ça se passe super bien. Je suis super contente de cette entreprise. Et je compte y rester le plus longtemps possible parce que c'est la meilleure que j'ai trouvée jusque-là. Et en plus, c'est la troisième alternance que je fais. Et comme on dit jamais 203, la troisième c'est la bonne. Donc je suis trop contente. Parce que c'est vrai que les précédentes, elles n'ont pas été ouf. Mais finalement, il faut s'accrocher. Il faut continuer de chercher. Et des fois, c'est pas le premier truc qu'on trouve qui est le mieux. Mais c'est plutôt le deuxième, le troisième ou le quatrième. Hein. Voilà, il n'y a pas de limite. On peut faire 10, 20, 30 alternances, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on trouve l'entreprise dans laquelle on se sent le mieux. Et moi, c'est JBI Consulting. Et en plus, je dois avouer que ça tombe bien parce que j'ai commencé en décembre, donc pour moi, c'est le meilleur des cadeaux de Noël. Bon, j'avoue, il est tombé un peu en avance, mais c'est un beau cadeau de l'univers et je suis très contente. Et je dis merci l'univers pour cette alternance parce que je pense que je vais vivre de folles aventures l'année prochaine. Et ça va être super bien. Voilà pour cette vidéo, pour ce retour de 2020. J'espère que ça t'aura plu. Si jamais t'as envie de me partager ce qui s'est passé cette année pour toi, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. N'hésite pas à tout me raconter. Je serais ravie de te lire et d'échanger avec toi. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et tu pourras découvrir tout le contenu que je vais partager l'année prochaine. Et sur ce, je te retrouve l'année prochaine. Allez, bye!